Bonsoir tout le monde, mes minettes, je dis re parce que j'avais commencé un record, mais je m'étais aperçu qu'en fait Fraps n'était pas ouvert. Donc c'est pas très grave. Sinon, bien le bienvenue à vous mes minous sur ce nouvel épisode de The Binding of Isaac Rebirth. Toujours ici J12 pour vous servir cet épisode. Et plutôt que de continuer la run, j'avais déjà fini un étage, j'aurais plutôt en commencer une autre. Parce que bon, Cellar 1, Curse of the Lost. Ok, d'accord, donc je viens de tomber sur Cellar 1, Curse of the Lost. Et là, je tombe sur Cellar 1, Curse of the Blend. Je suis maudit sur cet épisode. J'ai comme l'impression que le jeu a une dent contre moi. Si possible, peut-être tuer toutes ces araignées omnipotentes. Voilà, merci. Je me sens déjà plus libre. Parce que eux, pour moi, ils ont rien de dangereux. Oh, la salle de Cellar qui fait plaisir. Parce que ça encore, c'est une salle très très sympathique. Alors lui, il a pas d'âge vers moi, j'ai pas compris pourquoi. Mais bon, c'est toujours mieux que de me viser. Alors, mes petites merdes, on va mourir bien sagement. Oui, allez. On va péter toutes les merdes qu'on trouve sur notre chemin. On est plutôt chanceux sur les loots. Alors, sans plus tarder, on va aller en curse room. Enfin, en curse... alors ça, un item de curse. Enfin, curse room. C'est toujours bon. Cérémonial robe. Oh my gosh. Ça sent du bon. Oh, comment on est stylé. J'adore cet item. J'adore l'item pour le damage up et pour la vie que ça donne, mais surtout pour le style que ça donne à Isaac. Parce que ça ressemble un peu à mon avatar sur Minecraft. Sauf qu'il a du rouge en plus. Ça fait super... ça fait un peu mage. Spoon... Oh, Spoonmender. En début d'étage. Vous le sentez un peu? La partie cheatée. Moi, je la sens bien. Oh bah, tenez le cœur qui fait plaisir. Peut-être que... C'était pas nécessaire. On va pas se plaindre. Surtout que... Bah que bah rien en fait. Oh mais je suis maudit ou quoi? Bon, on a une pièce pour aller s'acheter un Soul Heart. Donc on va dire qu'on a rien vu. Mais non, non. On est tombé sur deux salles très injustes dans Cellar. Mais nous avons eu... je vais attendre de tuer Widow pour voir quel objet je vais gagner. Et puis après je vous dirai si la run est super cheatée ou pas. Alors pour le moment ça sent bien. Puisque je me suis pas pris de dégâts sur le boss. Allez. Et... Blood Clot. Qui est un range up aussi, donc c'est plutôt pas mal. Bon bah go la suite. Curse of the Maze. Ah la marque, c'était... C'est bizarre hein. Deuxième curse dans laquelle on entre et on a encore un objet de pacte. Et en plus ça remet le cœur qu'on a perdu. Mais en plus c'est The Mark quoi, c'est pas un item de merde. Loin de là.
Attends, elle m'a touché. Sérieusement? C'est pas très bon ce que je suis en train de faire. Attends, c'est la même salle? Je suis tombé dans exactement dans la même salle que... Je pense pas que c'est la même salle de cette vidéo, mais c'était la même... Il y avait ce genre de salle dans la run d'avant. Je crois que c'était dans la run d'avant, ouais. Ouh, pétrifié poupe. On va peut-être prendre ça avant de tuer le reste. Oui, des sous. Mais c'est pas ce que j'espère seulement trouver. Et avec tous les damage up qu'on a déjà, on ne one-shot même pas les araignées? Eh bah dis donc. Oh non, par contre non. Vous avez pas le droit. Tout ça parce que je veux aller trop vite. The Hierophant. Le jeu me pardonne de mes erreurs. C'est sympa. The Hierophant. En fait, je pense que le jeu a voulu purger Isaac de ses cœurs noirs. On est maintenant un gentil petit magicien noir. Oh, je sais, je raconte n'importe quoi, mais bon. Ce Hierophant faisait tellement plaisir. Moi qui d'habitude me prends beaucoup de coups par des champions. Là, on peut dire que je l'échappais belle. Alors, on va quand même aller en boutique et... quoique... D'accord. D'accord. Ouh. Best friend. C'est pas notre meilleur ami pour rien, regardez. Allez un petit peu. Oh non. Bah vous savez quoi, vu qu'on est des gros crétins et des gros cassos, on va se servir de tout l'argent qu'on a reçu pour acheter ce malheureux cœur. Là pour le coup j'ai été un gros idiot. Parce qu'en plus la charge je l'ai perdue. Mais attendez, non. C'est dans l'étage d'avant qu'il y avait une batterie. Là pour le coup je jouais un peu comme une couille. Allez, il est l'heure de crever. Par contre, les petites merdes ont les one-shot, ça c'est sympa. Ouh, attendez. Non, on a pas assez. C'est parti pour... Oula. J'ai oublié son nom à celui-là. Mais il est pas sympa. HP up à dépenser. Oh, la queue de Guppy. Alors déjà Guppy's Dream, peut-être. Bad trip. T'as vraiment cru que j'allais reprendre Bad trip? Alors on va prendre Gimpy et on va prendre la queue de Guppy. En espérant devenir Guppy. J'ai l'impression que cette run est super OP, mais en même temps j'ai l'impression qu'on va... On va en chier. Je sais pas pourquoi. Tout est encore à faire. Le seul truc qui nous manque là maintenant c'est de la vie. Même si je vais pas vous le cacher, j'ai un peu fait l'idiot. En même temps, quelle idée de tourner du Isaac à 23h du soir. Je suis pas en très bonne condition physique. Mentalement, c'est pareil. Oula, on va vite tuer ces ennemis-là. Allez, donne-moi une batterie. Même pas. Et lui, il m'a même pas donné de pilule.
Quelle bande de méchants. Même ce champion-là, il m'a rien donné. Regardez ça, je les one-shot pas ces araignées. C'est pas très bon, c'est pas très good. Ah, il m'ouvre la salle secrète gratuitement. Sans bombe. Franchement, GG. Ouais, pourquoi pas. Après tout, ça se laisse prendre. Hop, encore une piécette. On va éviter, si possible. Ouf, et bah punaise. Je vais en attraper des suées. C'est pas très bon ce genre de salle. Mais heureusement que j'ai beaucoup de damage. Une bombe que je pourrais pas récupérer. Génial. On va péter les flammes parce que bon, il peut y avoir des choses très intéressantes dedans. Comme inutile. J'aurais préféré... Enfin, heureusement que c'est une bombe qui est là parce que ça aurait été une clé. Ça m'aurait bien... Ça m'aurait pas trop plu. Parce que je suis un peu en manque de clés. Donc faut pas trop me troller avec les clés. Alors voyons voir. Robot baby. Ouais ça va, c'est le robot baby des familles. Donc c'est potable. Par contre au niveau des merdes, j'ai pas beaucoup de chance. Ils pourraient me drop des soul-art ces enflures. Pourquoi? Pourquoi? Franchement, dites-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est le champion que je me suis pris? Et pas... Ils arrivaient en même temps? Pourquoi? Pourquoi tant de haine le jeu? Je comprends pas. Pourquoi des têtes de grid? À chaque fois me foutre un champion sur la face, c'est ça devient typique dans mon let's play sur Isaac. Les champions m'adorent. Ah bon, bah voilà, bah maintenant bah je peux dire au revoir à mon pacte. C'est génial. Une bombe pour deux clés, c'est worth it. Si je vous assure. Par contre là ça devient très dangereux. Je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser pourquoi ça devient dangereux. Le jeu commence peu à peu à nous faire perdre espoir. Voilà ce qu'il est en train de nous faire faire. Allez, meurs. T'as trop de vie toi. Ah, Zialo. Une bonne bouffée d'air frais. Ouais, mais du coup, il y a des champignons partout. J'ai bien envie de... Ah, mais je vais dessus comme un idiot. Bien sûr. J'adore aller de front sur les ennemis. C'est l'un de mes passe-temps favoris. Oh. Des pièces, une clé, mais encore une salle qui sert à rien. Sauf si je me prends des dégâts, ça m'aura servi à non seulement à rien, mais en plus à me faire prendre un dégât. 30 pièces. Là, je sais pas si vous savez ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de chercher la salle
Enfin, la boutique. Parce que bon, la boutique, c'est que ça sera quand même utile dans cet étage. Parce que je tiens à préciser que c'est un étage XL qui aura deux boss à affronter. Donc on non seulement sur cet étage on loupera pas un pas avec le diable, mais on en loupera deux. Ça va être cool hein, franchement c'est... Cette run je sais pas trop quoi en penser. Honnêtement. Oula, on va attendre que le creep disparaisse. Health up. Bon ça va. Par contre j'ai l'impression de jouer Maggie. Ce qui est pas pour me plaire. Allez, voyons voir combien de champignons tu vas casser. Waouh. Puberty. Pas intéressant. À l'intérieur ici c'est intéressant. Ouais. Pff. J'ai rien dit en fait. Faites comme si... Bah encore Gimpy. C'est bizarre que depuis tout à l'heure il me donne rien. Il me donne vraiment rien. Je me prends dégâts sur dégâts. Mais non. C'est genre va te faire foutre. Voilà. Il vient de me donner un cœur donc... Faites comme si je n'ai rien dit. Mais bon, avouez qu'avec tous les coups que je me suis... C'est désolant. Je suis vraiment mauvais sur cette run. M'en voulez pas, franchement, je. J'ai pas l'impression de, pourtant de faire exprès. Ou alors c'est une forme de flemme d'esquiver les coups ennemis, je sais pas. Je sais pas vous le dire précisément. Mais en tout cas, ça me désole un petit peu quand même. On était bien parti, j'avais des cœurs noirs, j'avais des soul-art. Puis je me suis pris des coups, des piques, des ennemis. Puis là je me retrouve avec la blende de cœur rouge, complètement inutile. Ça me sert juste à ne pas mourir. J'aurais pu te pacter avec le diable. C'est cool. Tout ça parce que j'ai fait quoi? L'abruti. Et bah ça m'apprendra. Je suis un baka. Amnésia. Bon, de toute façon, j'avais visité tout l'étage. Ça servait complètement à rien de me faire ce genre de choses. C'est le genre de partie où je peux me permettre de donner beaucoup de sous. Parce que j'en gagne beaucoup. On a la bénédiction du Halo avec nous. Ah ouais, on a perdu notre robe de cérémonie. C'est genre elle nous portait malheur, c'est ça? Je ne crois pas au... Enfin, comment on appelle ça déjà? Les superstitions. Je ne crois pas en ces conneries. Surtout les superstitions concernant les pauvres chats noirs. Sont victimisés même encore aujourd'hui, vous voyez, il y a encore des gens qui ont peur des chats noirs, ces pauvres petites bêtes toutes mignonnes. L'une des raisons qui me font détester les superstitions. Il y a un de mes abonnés qui me file le bonsoir et un bonne nuit, donc sympa de sa part. Peut-être que ça va nous porter chance dans cette run. Espérons-le. En tout cas, Zeus qui est en train de passer un sale quart d'heure. Et moi tranquille, je finis le boss. Par contre, si j'ai un pacte, je comprends pas. J'ai pas eu de pacte, mais par contre, j'ai eu Pentagramme qui est un objet de pacte. Donc on va dire que globalement, on va pardonner. Et en plus, on atterrit dans The Death avec Curse of the Blind. Bon, au moins, on n'est pas dans Catac, enfin, dans Nécropolis.
Oui, bute tes potes. Ça me fait plaisir. Oui, je suis sadique. Quand je le souhaite. Et avec mes pires ennemis. Ah, maintenant, je suis rapide quand même. Cette salle va être tellement longue à passer. Même avec Spoonmender, ça risque d'être plutôt long. L'autre qui a encore plus de vie. D'accord, je me suis pris un coup. Comme une pauvre petite andouille. Du coup, j'aurais pas non plus de pacte ici sur cet étage. C'est encore bien cool. Alors, qu'est-ce qu'on aura le droit? Sagittarius. Ah! Encore ce. Dans la run d'avant, on l'avait aussi ce. Comment on appelle ça? Ce signe du zodiaque là? Bah, c'est cool! Au moins, non seulement on a des tirs à tête chercheuse, mais en plus on pourra traverser les ennemis avec nos tirs. Regardez ça si c'est pas magnifique. Ouais, bon, une clé. Là où elle est, on n'en a pas tellement besoin. Par contre, ça c'est pin. À coup sûr, c'est pin. Ah, même pas! Le jeu vient de me. De me troller en beauté. Juste pour me faire taire. C'est Polycéphalus. Qui au passage. Ah oui, il enlève un dégât complet. Heureusement pour nous qu'on avait prévu de garder ces deux jolis petits cœurs ici. Hop. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Un accès pour la boutique. Allez, s'il te plaît, le jeu. On va pouvoir souffler un petit peu, hein. Alors, un objet au choix à acheter. Black Candle. Oh yeah! Black Candle. Un cœur noir et en plus, plus de curse. Fini les curses. Bon, ça arrive un peu tard, mais c'est cool. Ah tiens, la pile ce qu'on pouvait acheter. Bah, ben, on l'a ici. Ça promet. Moi je dis, je tombe pas la pierre tout de suite. The Empress. War. Qui va passer un sale quart d'heure. Ou peut-être moi, je sais pas. Non, ça va. Bon, on va encore le laisser utiliser ses bombes. Faire attention à lui parce qu'il occasionne un dégât complet. Tu peux pas tester ma vitesse, War. J'ai roi de rage. Je fais exprès d'aller un peu moins vite pour que je le sème pas. Cube of Meat. Il va apparaître dans toutes mes parties. C'est un truc de malade. Tu m'as eu une fois, tu m'auras pas trois fois. Même pas deux fois. Le pump call, génial. Dans l'autre partie que j'ai eue, c'était. Comment dire? L'aide of Krampus. Donc c'est plutôt bien. Et puis bon, à suivant. Alors là, pour la run, je sais pas trop. Il va falloir ne pas faire l'andouille. Ouais, mais bon, quand on a des salles comme ça, c'est pas très encourageant.
Non. Lui, hors de ma vue. Ça, c'est clair et net. Une boutique. Avec de quoi acheter. Avec de quoi acheter beaucoup de trucs. Grid, bah bien sûr. La seule clé que j'avais. La seule boutique maintenant. Et les pièces maintenant, ils vont me servir à quoi? À rien. Oh, ce troll. Bien joué, bien joué, bien joué. Grid. Là, pour le coup, Grid, il m'a fait un gros doigt. On va se servir de la troll bombe hein, à notre avantage, hein, même si on n'a pas vraiment eu d'avantage à s'en servir. Elle nous a pas explosé à la face, c'est déjà ça. On est vachement puissant quand même. Niveau dégâts, ouais, ça le fait. Par contre, on a plus de clé. Le jeu, tu serais nous faire spawn une clé? Si ça serait, si ça te dérangerait pas, pardon. Non, ça te dirait pas de nous faire spawn une petite clé. Et au passage, voilà un cœur noir. C'est tout ce que je voulais de la vie. Maintenant, ce qu'il me faut. Vous le savez, c'est une clé. Heureusement que j'ai le Cube of Meat, hein. Parce que contre cet ennemi-là, ça peut être dangereux. En même temps, se balader dans catacombes, enfin nécropolis, c'est pas une très bonne idée. Heureusement qu'il s'est arrêté pour tirer lui, parce que sinon il aurait continué à avancer. Je me serais pris un dégât de contact. Ah, c'est marrant. Un coffre avec encore un coffre doré à l'intérieur. Genre tu, oh bah voilà, tu veux une clé? Ah bah oui, c'est vrai, j'ai Guppy, j'ai la queue de Guppy. Ah, c'est marrant ça aussi, tiens. C'est très très marrant. Oh, une bombe, lol. Oh, un cœur, lol. Non mais sérieusement, ils vont vraiment pas me filer de clé? Non mais allô quoi? Ils vont vraiment pas me donner. Ah, c'est bon, quand même. Faut pas déconner non plus. Oh, avec de la vie. Oh oui, on me redonne la vie que j'ai perdue. Espoir quand tu nous tiens. Ah, mais les coffres, c'est mort, je vois pas. Ah, s'il te plaît, l'objet de la salle dorée. Fais-moi rêver. Qu'est-ce que je pourrais avoir de bon? Allez. Espérons que ça soit Noël avant l'heure. Ouh, c'est intéressant ça. Les c'est pas le truc de la mort, mais c'est quand même un tears up et en plus c'est les gravity tears. C'est plutôt intéressant, j'aime bien les gravity tears. C'est space. Et en plus contre Mom, ça peut être efficace. Regardez. Hop. J'aurais aimé que mon friend lui fasse des dégâts. Mais bon, on peut pas. Et c'est la mom qui fait spawn. Ouh, comment je lui fais mal. Ah bah là, je pouvais pas trop esquiver, vous voyez.
Là, j'ai pu esquiver à temps. Alors, on a eu un All Bondage avec un pacte avec le diable, de la vie. Godhead. Bah, là, vous voyez, pour cette fois, Godhead, tu vas te faire voir. Parce que j'ai besoin de la vie, moi. Faut pas déconner non plus. Voilà, ça c'est fait. Ouh, ça c'était pas sympa. Mais alors clairement pas. Balls of Steel, c'est bien la dernière pilule qu'il me fallait. J'espère que je vais tomber souvent dessus. Mais à mon avis, je pense pas. Bon, il faut une clé, c'est pas trop grave. Des clés, maintenant, j'en ai plus vraiment besoin. Je pense qu'en fait, là, j'ai la combinaison parfaite. Pour pouvoir avoir une run gagnée. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse regarder autour de nous s'il y a des rochers bleus. Il y en a un là. Oui. Le cœur qu'on a perdu, on le récupère. Il est mort sur le coup. Il n'a pas eu le temps de souffrir. Enfin, je parle de ses petits protégés qu'il a fait spawn. Parce que lui, il a bien eu le temps de souffrir. Ce gros tas. Tous les coffres qui apparaissent, c'est un truc de dingue. Je suis désolé, mais là je peux pas. C'est au-dessus de mes forces que de traverser cette salle. Voilà, ça c'est bon. Allez, on commence à visiter un peu tout l'étage, hein. C'est pas une très bonne idée. Mais bon, en même temps, on peut pas faire autrement. C'est toi, s'il te plaît, reste à l'écart. Voilà, merci. Tu m'aides beaucoup, reste à l'écart. Voilà, va crever. Très mauvaise idée. Celui-là, il y a beaucoup de vie, donc faut s'en occuper. Il y a un peu beaucoup d'ennemis là. Hein. C'est. Oula. Toujours pas de clé. Par contre, des coffres, il y en a à l'appel. Qu'est-ce qu'on fait là en fait? Ah bah oui, Cube of Meat. Voilà, je suis bête. Ouh, des clés. Ouh, des clés. Tamiz Head. Allez-y, faites-moi rêver. Ouais, d'accord. Sinon, j'aurais pu avoir quelque chose de bien meilleur. Mais bon, c'est pas grave. Bon, une bombe pour une bombe. Mais au pire, on casse des rochers. Pas le bon endroit. On va juste se servir une dernière fois de best friend. Pas pour cette salle-ci, c'est sûr. Il n'y a pas vraiment besoin pour cette salle-ci.
Qu'est-ce qui m'a touché? C'est sérieux là, c'est le poupe qui m'a touché? Ah, je suis vert. Je suis mad. Ouh, j'ai une de ces esquives. Le coffre de l'enfer. Je vais sur les merdes, comme une grosse merde. Et je me prends un dégât, comme une grosse merde, encore une fois. Parce que c'est bien connu, je sais pas jouer. The Death. Ouh, il s'est pris les dégâts, ça c'est cool. Évidemment, je me prends son cheval. Ça sert à rien, tes mobs ne peuvent pas, enfin ne peuvent pas résister à mes. Ah, j'ai Cube of Meat encore une fois. Du coup, est-ce qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire dans cet étage? Non. Pourquoi non? C'est très simple. Tamized. Et go mom arts, ou plutôt it's live. Ça peut être intéressant de dépenser nos sous là-dedans. Je vous explique pas pourquoi. C'est évident. C'est à peu près la seule machine avec lesquelles on peut. Oh, une pretty fly, tenez. Oh, un cœur noir. Voyez-vous ça? Pills. Des bombes. Bon bah, I can see forever. On aurait eu des super trucs. On va faire un petit peu muse avec lui. Voilà, pour gagner ça. Il veut faire mumuse, hein, ça se voit. Nous avons donc deux orbitaux. Ce qui est plutôt pas mal. On récupère à chaque fois nos sous, c'est pas mal. Pour une fois que je joue avec ce gars, si c'est plutôt ennuyant pour vous, vous pouvez avancer un peu la vidéo. Mais je veux pas sortir. Quoique au moins l'ennemi est parti. Le nombre de cœurs qu'il y a sur cet étage. Vous savez quoi, le cœur noir, on le prendra à la fin de l'étage. Avec tous les cœurs qu'il y a, vous savez quoi, presque plus de sous.
Bon, de toute façon, il se donne la mort lui-même. Et il nous donne paralysis. Le destin en fut ainsi. Non, certainement pas. Par contre, là, on a un beau lot de champignons à faire péter. Health up. I can see forever. Bad gas. Balls of tears. Balls of tears. Health up. Oh my god. C'est quoi cette salle? Secret de la hype. Non bah attendez, bah autant qu'à faire. Voilà, on récupère toute notre vie, hein. Comme ça, loyalement. On va prendre ça, tenez. Ça peut être amusant. Oh, oh c'est vraiment très amusant en fait. Regardez-moi cette combinaison. Yeah. Je suis pimp my. Je vais pas continuer. Je suis pimp frère. Eh attendez. je sais pas quoi prendre. Je crois que je vais prendre ça plutôt parce que ça c'est un peu abusif. Oh. Ah ouais, mais avec ça en plus, ça peut être pas mal. Bah attendez. On va prendre ça. Avec ta mise aide, ça va être tellement n'importe quoi. Oh oui. C'est à n'y rien comprendre. Cette partie devient what the fuck. J'adore. Paralysis, va te faire foutre. Cordialement, la direction. Une bombe ici. Bon, ça a rien fait. J'aime bien la tournure que prend Ouais, puis non, vous savez quoi, c'est un peu trop what the fuck à mon goût. On va continuer dans le normal. Oh, l'horloge, il est resté dans le Tamiz Head. Ça lui a été fatal. Anarchic's Codebook Strength. The Emperor. Ouh, The Emperor. Ah là, par contre, les gens, je suis désolé, mais The Emperor. C'est la carte. Quoique, aussi, chariot. Très utile. Il va y a. Bon, c'est pas grave, Gimpy nous soulage d'un cœur. Parce qu'il est gentil, Gimpy. Au moins. Onduler mes tirs, onduler, 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 onduler. Ça manque d'items dans les coffres. Hein.
Voilà un Gimpy qui est sage. The Fool. Inintéressant. Oh, mais regardez ça, Gimpy! Super généreux, Gimpy! C'est un objet très hype, je vous le conseille. Trois fois d'affilée qui nous file des... Bah, en fait, c'est comme si on était un peu invincible. Hein. On va payer ça. Parce que... On a été super chanceux quand même. C'est pas give up, c'est give it up. Tu m'as rien donné, méchante machine. Souffre. Comme moi, tu m'as fait souffrir. Mom qui se prend tout et n'importe quoi dans la face. Elle s'en prend du damage up. C'est clair. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est bien simple. On va passer par là pour que ça soit un peu plus rapide. Alors il y a une salle à faire attention. Ouais, c'est ici. Faut pas qu'on oublie de prendre notre vaillant empereur. Et comme un chien, comme un mec qui en a rien à foutre de la life, comme un enfoiré, bien parce que j'en ai rien à battre, et bien pour vous montrer que cette run, j'ai bien envie de la gagner. Go Isaac. C'est du rapide. Il y a moyen que je la gagne. Par contre, j'aurais aimé garder le cœur noir pour ce combat. Ça aurait pu être utile pour plus de dégâts. Alors, j'ai un peu d'orbito. J'en ai deux. Mais... comment dire ? Ça vaut pas 3 orbitales, comment? Quand même. Les lasers bullshit. C'est pas très bien, Isaac. Ah, bah y'a un cœur comme ça qui spawn dans l'arène. Ok. Je compatis, mais c'est un demi-cœur. Donc c'est pas très utile. Je lui fais assez de dégâts pour qu'il s'envole après chaque une de ses phases. Allez, s'il te plaît. J'ai pas l'air de lui faire très mal au final. Allez, meurs Isaac. Très bien, maintenant que nous avons fini cette run, je vais pouvoir vous laisser sur cet épisode. Et voyons voir ce que nous avons gagné. Un item, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a battu, je pense, maintenant pour la troisième fois Isaac. Il en restera encore 3 avant de pouvoir atteindre The Chest. On n'a rien débloqué, donc voilà. Donc c'est sur cette victoire écrasante, bon, pas si écrasante que ça, hein, j'ai fait un peu le pitre, que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo, mes minous, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker ou à foutre carrément un partage sur votre Google+, ou ailleurs, hein. Vous avez tout à fait le droit, comme vous avez tout à fait le droit de ne rien faire, à part peut-être le vu qui va... avec quand vous regardez la vidéo. Sinon, encore une fois, il est à 5 minutes près, ce coup-ci il est encore minuit à l'heure où je tourne. Donc bonne nuit mes minous,
passez un bon week-end en ma compagnie. On se retrouvera pour une prochaine vidéo dans pas longtemps. C'était JJ12 pour vous servir cette run sur The Binding of Isaac Rebirth. Ciao tout le monde et miaou. Le miaulement d'un chat fatigué. LOL.